Bonjour à tous et bienvenue dans votre agenda. Voici les événements que nous vous proposons de découvrir cette semaine. Le 17 mars à Lyon, la Commission indépendante des abus sexuels dans l'Église organise une réunion publique d'information et d'échange autour du thème « Libérer la parole des victimes d'abus sexuels dans l'Église ». L'événement se tiendra à 18h30 à l'amphithéâtre Mérieux de l'ENA. Et pour cette 10e étape du Tour de France de la Commission, son président Jean-Marc Sauvé fera notamment partie des invités. Pour plus d'informations et pour vous inscrire, vous pouvez envoyer un mail à clarisse.coufourier@influencestratégie.fr ou vous rendre sur le site www.ciaz.fr. Vendredi 20 mars, le diocèse de Lille organise une nouvelle retraite détente et prière dans le cadre agréable de la maison diocésaine de Merville. Pendant 24 heures, les participants pourront méditer sur le thème « Plonger dans la prière avec la parole de Dieu ». Ils seront accompagnés dans cette réflexion ignatienne par le père Luc-Emmanuel Dupont. Les frais de participation sont de 65 € par personne et pour vous inscrire, vous pouvez vous rendre sur le site internet www.detente-prière.fr. Le samedi 21 mars à Nantes, le centre culturel Le Passage Sainte-Croix consacre le troisième samedi de son cycle de réflexion à la question « De quoi la création est-elle le commencement ?». Plusieurs intervenants animeront le débat, Béatrice Wary, maître de conférence à l'Institut catholique de Paris, Jacques Arnoux, théologien et historien des sciences, et Nadia Taïbi, docteur agrégé de philosophie. Ces rencontres sont libres d'accès et s'adressent à un public de non-initiés. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur www.passagesaintecroix.fr ou bien contacter le service presse au 02 51 83 23 75. Enfin à Paris, les 28 et 29 mars, un week-end consacré à la santé est organisé par le réseau Ecclesia Campus à la Conférence des évêques de France dans le 7e arrondissement. Au programme de ces deux jours, ateliers et conférences sur les thèmes et problématiques liées à la santé avec un regard chrétien. L'événement est ouvert à tous les étudiants dans le secteur médical pour un tarif de 35 € tout compris. Vous trouverez plus d'informations et le lien d'inscription sur la page Facebook d'Ecclesia Campus ou sur le site internet Weekend étudiant mars 2020-paris.venio.fr. Et c'est la fin de cet agenda. Rappelons que si vous souhaitez nous faire connaître un événement, vous pouvez nous écrire à l'adresse mail agenda@ktotv.com ou par courrier à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Et on se quitte en musique avec un extrait de l'album Méditation, flûte et harpe par le duo Thiais. Toute l'équipe de KTO vous souhaite de passer une excellente journée.